Les spectateurs et les spectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Ekaya. Avec moi d'Ekaya, deux invités, deux médecins, docteur Marc-Aurel Telfort et docteur Farah Montpréville. Docteur Telfort, comment vous êtes? Très bien, merci. Et bonjour et merci de l'opportunité de cette discussion ce matin qui a permis nous de parler à la population d'un problème qui semblait problème en catégorie monde. Nous avons parlé de monde qui connaît les monde gros pieds. Mais pour nous montrer que ce n'est pas qui bagaille qui concerne les monde gros pieds, c'est un problème de communauté, malheureusement, qui est mal connu. Mais c'est une opportunité matin hein, pour nous avoir l'occasion de parler de lui. Nous allons parler de lui en l'horloge. Docteur Farah Montpréville. Docteur Montpréville, comment vous êtes? Je ne suis pas mal. Et vous-même qui jouez? Eh bien, pas plus mal, même bravo. Je suis gardé, bien content de nous. Souvent, il y a des professionnels comme nous. Je suis toujours battu bravo parce que je vais beaucoup apprendre. Nous allons parler de filariose. Il y a des objectifs d'élimination de la filariose d'ici l'horizon 2024. Mais avant de nous rentrer dans le plan d'action pour éradiquer la maladie, il faut nous faire la pédagogie pour nous connaître qui ça lié, qui sa maladie a lié, qui sa symptomatologie a lié, qui donc manifestation yo, comment on fait examen pour qu'on soit une filariose, comment le transmettre, traitement, là c'est dans volet réponse là, à côté de traitement, prévention, impact sur les communautés, et la réponse quid de financement, et qui intervention acteurs locaux et acteurs internationaux yo gagné dans réponse à bala, tout de rôle, n'a répondre des questions pour nous, bon petit information, petit connaissance, et puis des points spécifiques dans pays. À aborder dans l'interview ça. D'abord, filariose lymphatique. Docteur Telfort, ça veut dire? Filariose là, lui-même, c'est une, je dirais, mais t'as dit, c'est une infection parasitaire. Donc son parasite, son maladie, c'est parasite qui baille. Alors, maladie ça, lui, dans le groupe 17 maladies que vous catégorisez, maladie tropicale négligée. Maladie ça a une caractéristique, bon, négligée parce que généralement, ils n'ont pas porté attention assez à eux. Et maladie tropicale, parce que dans le sein tropical mondial qui traverse l'Asie et l'Afrique et l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et la région Caraïbes. C'est un groupe de maladies qui est caractérisé par qui ça a eu comme impact, qui a des handicaps, sous mon yo, des handicaps physiques, qui a un impact psychologique, parce que c'est des maladies qui accompagnent une forte stigmatisation. Et surtout, maintenant, qui peut avoir des impacts socio-économiques, qui peut affecter la qualité de la vie mounio, et la situation de revenu mounio, et l'appauvrissement moun sa à travers mounio famille. Donc, c'est un petit peu dans le champ que filariose là est située. Mais pour filariose là lui-même, comme une maladie tropicale négligée, nous disons que c'est une parasitose, mais c'est un petit ver qui baille. Petit ver ça, il y a un filaire, c'est ça qui fait une filariose. Les filaires, parce que c'est quand ils ont forme filiforme. Tu vois, quand on. Alors, maladie ça, et nous avons dit qu'ils ont ou trappé maladie ça. Nous allons aller dans le trappé. Bon, ils sont avec Bailly. Et c'est comme on voit le monde de Guédé Nègre la plaine qui s'est menté au monde de la plaine qui a un gros pied. Est-ce que le monde a un gros pied qui a bon, je ne sais pas si vous partez à Ougan, mais filariose, ça que je connais, que je suis sûr de lui, c'est que il y a un gros pied. Alors, qui a un gros pied? On ne pas un gros pied. Non, je parle de ça, je connais. Ça veut dire que. Non, ça veut dire que je ne vais pas empiéter sur le domaine Ougan, même j'aime moi-même tout, je ne vais pas accepter. C'est le grand sous pour là. Empiéter sous pas là. Donc, ce qui est arrivé, c'est que lorsque vous infecté, alors ça veut dire, et pour bien comprendre, il faut m'expliquer que qui joue un trapel. Ça veut dire que c'est trois, et nous capables de dire, trois et entités qui entrent dans filariose là, dans l'infection filariose là. Ou besoin d'abord, un monde, un individu qui était déjà infecté, déjà, et puis qu'on y a là, ou besoin d'un individu sain qui peut être infecté avec un moustique. Moustique, qui ça le fait, ça veut dire que normalement, et Jean-Docteur Telfort dit, le filet, lorsqu'on a un son lien entre dans son, il chita alors par contre, un moustique picot pour nous faire dans son ou par contre. Maintenant, ça prend un ensemble de temps, un ensemble d'années, qui ça, moustique ça fait, et vers ça fait, c'est que pendant l'un des organismes, on a la plaïté, la ponne. Elle dit, filet ça, la ponne, l'autre. Filet pareil, l'autre filet qui à la longue, au bout de 6 à 8 ans, ou vient un processus de microfilet, ça veut dire que vers gaillé dans le vaisseau lymphatique. Le vaisseau lymphatique lui-même, il fait tout ensemble, il
parcouru tout ensemble organisme, même genre avec vaisseau sanguin, il a parcouru tout organe et puis plus précisément au niveau en général des membres externes, yo vinn boucher vaisseau ça qui intervenu dans circulation, dans élimination quoi qui fait partie de l'anatomie normale quoi. Kounya qui vinn boucher vaisseau ça donc comme circulation qui fait au niveau lymphatique vinn obstruer et puis au fur et à mesure un processus là puis a commencé à enfler tout petit jusqu'à ce que li vinn bo ça relé éléphantiasis. Et car garçon nous parlait de en général maclouclou alors gain deux formes maclouclou gain ça relé hernie et gain quand même et augmentation stroke comme qui causée par obstruction vaisseau lymphatique. Donc c'est ça qui fait que au fil des années mon en vinn gain ça qui vinn développer des morbidités, il vinn gain gros pied, gain de côté gros bois, gain des mesdames gros tête tout qui vinn fait qu'on vinn grande population de moun ki handicapé à cause d'une infection ça que yo trapé que yo pas connaît que yo détrapé côté ver a sorti et c'est moustique qui fait pour compte excusez-moi si les gars posent question mais côté ver a sorti docteur bon en réalité et c'est un dilemme pour l'avec Zéa qui est-ce qui fait avant et désolé de ignorance moi pas qu'à répondre question moi qu'a dit que c'est un ami ancien dans maladie et tropical négligé. Donc, nous faisons un problème dans la partie de gens qui gagnent. Par contre, qui est pour là ou bien je avant. Et les gens qui gagnent là, je ne sais pas facilement à transmettre. Parce que c'est des. Alors, comme le docteur Montbréville dit, vers adultes là, ils ont un système lymphatique là, ils là. Il a arrêté assez longtemps là, il a même jusqu'à 6-8 ans dans le système lymphatique là, et la pointe de lave, ça veut dire des microfilaires. Et microfilaires, c'est des millions de plagues dans la circulation lymphatique là, qui a passé dans le sang, qui va le va-et-vient. Donc, pendant que le monde n'a pas même gagné et symptômes, non, le moustique a piqué, il va piquer l'autre monde, il y a une transmission active. C'est ça que Fayot dit, dès qu'on voit et 1% de monde dans la population atteint, automatiquement, ils déclarent qu'ils sont des milliers. Maintenant, l'homme déterminé prévalence là, et je présume que gagne un examen laboratoire pour qu'on connaît et si ou gagne l'ensemble. Qui examine lié, docteur Montbréville? Bon, en général, gagne et plusieurs examens que on monde a fait. Et l'oral fait un hémogramme, y'a qu'un doigt et taux éosinophile augmenté. Est-ce que tu vois? Mais pour capable détecter microfilaire même dans l'organisme, parce qu'en général, c'est le soir. C'est le soir côté que vraiment la population de microfilaire dans l'organisme les plus manifestée. Donc à ce moment-là, on fait un prélèvement sanguin et à partir de un goutte épaisse, on est capable de boire dans ce goutte sans ça, on est capable de boire et si microfilaire. Et aussi, tout gagne un examen ou test rapide que utilise le faire enquête en pile pour tester, pour voir si on est positif, que il gagne et et filer le ensemble. Mais là, nous sommes bas des manifestations de maladie, gros pieds qui handicapant et gros seins, gros grain et à la fois pour monde son supplice, à la fois pour regard monde sous tête li, regard communauté sous monde son l'autre supplice. Aspect ça, comment yo gérer, comment professionnel santé yo gérer la prise en charge maladie? Je pense que, permettez-moi de faire un petit tour derrière. Pour nous garder, vivre dans ça, nous sommes décrits là, nous avons un long cheminement. Parce que, c'est une maladie qui prend temps pour l'installer. Maintenant, moustique la pique, les balles, et lave, on lave infestante, on lave infestante. Parce que, un verre adulte qui localise dans le système lymphatique, il y a un qui produit des micro et filaires. Microfilaire ça, le moustique là prend le sang, il prend un microfilaire. Microfilaire ça pourquoi infestant? Il prend subit deux transformations car le moustique là pour le vin infestant et c'est lui-même et c'est ça que il baille un autre moustique. Donc gain temps l'évolution à côté par exemple de le monde en prend à l'heure pour faire première manifestation parce que manifestation on peut le faire à partir du moment que en pile microfilaire dans sang à monter à descendre dans sang. Donc, premier temps, ça, ils sont temps qui muet. Donc, période d'incubation assez longue, si j'ai bien dit. Ils muet parce que vers adulte là, l'a pas organisé. D'alors,
vers l'ave infestante là qui installe le carbone là qui a le système là pour le grandir pour le tourner vers adulte qui a produit microfilaire pour ça qui a pris un an comme ça. Mais maintenant à partir de ça microfilaire dans sang et puis dépendant de réaction système immunitaire mon là. En plus de ça, qu'on gagne une situation, parce que le système lymphatique a participé à renforcer le système de défense corps à tout. Donc, maladie ça, elle diminue la capacité du système de défense, donc il est plus vulnérable par rapport à d'autres microbes. Et dans ce sens, ça, généralement, il y a un streptocoque, un staphylocoque, qu'on complique les bagages. Ensemble des facteurs, ça vous fait que, vous pouvez commencer à partir de la période samedi, un an après ça, vous avez ensemble des manifestations aiguës, c'est des épisodes aigus. Côté Jean-Docteur Montpréville te dit tout à l'heure dans prédilection organe de prédilection côté et j'aime dans gain tendance aller dans système lymphatique là ou pral vinn des manifestations inflammatoires de temps en temps mon nan ti orchite et gon ti infection orchite là alors si on pas veut rester pardon on connaît des termes on connaît pas domaine c'est des réactions inflammatoires qui par exemple qu'on a gagné dans testicule, qu'on a gagné et dans voie spermatique, qu'on a gagné dans différents et organes dans corps à côté puisque nous dédié système lymphatique à gagner dans tout corps. Donc on a gagné épisode ça yo dans tout côté parce que le système lymphatique là il fait effectivement de vaisseaux, il fait de ganglions qui se déroulent pour bloquer vaisseaux et puis d'organes tout, il y a un organe primaire quand on thymus avec et moelle osseuse et puis un organe secondaire quand on rate et puis amygdale. Tout ça va participer dans le système lymphatique là. Mais en dehors de organes ça dans tout corps puisque il est connecté dans tout corps. Donc et ou ka gagne des manifestations dans différents organes. Mais et d'accord épisode et ça yo, c'est des épisodes réaction inflammatoire côté moun nan ka gagne la fièvre, des ka gagne douleur articulaire et des ka même gagne des manifestations continues atypiques quand moun nan gagne difficulté respirer quand moun ki gagne l'oppression. Okay. Mais il y a quand même des manifestations dans l'autre organe, etc. Mais la particularité, c'est que les embêter les gens, je ne vais pas dire qu'il y a une grosse douleur, les déshabilités, les gens n'ont pas qu'à le travail, les gens n'ont pas qu'à l'école, etc. Et puis finalement, les fait de manière récurrente. Ou dit si moun tout, dans la population, il y a des enfants. Oui, tout le monde qui a tout le monde qui a un moustique qui a piqué. Donc, c'est ça que fait dans l'organe des maladies, ça y est, on parle de population exposée. Et donc, par exemple, dans le monde, là, le a décidé que vous êtes éliminé là, vous avez 893 millions de monde dans la ceinture tropicale là qui étaient exposés. Donc, ils vivent dans une zone où vous avez endémie et sous ça, vous avez déjà 120 millions de monde qui sont affectés. Donc, c'est la même situation hein, qui arrive dans la plupart des pays. Donc, vous avez des épisodes et aigus comme ça pendant longtemps et vous avez gagné indéfiniment puisque vous avez arrêté. Et puis maintenant, à partir de, et dit, une période qui, vers 10 à 15 ans plus tard, où il y a de grosses manifestations, qui depuis le, où prend le phénomène, a fait, Jean-Docteur Montpréville te dit, vaisseau a bouché, il y a un tissu qui a gonflé, il y a des transformations qui ont fait, qui permettent que, en 10 à 15 ans, où il y a une réalité de gros seins, de gros pieds, de macro-clou, etc. Donc, le tissu qui a bouché, il y a fait ça, il y a de l'eau dans le corps qui a... Expliquez, parce que... Oui, parce que le système lymphatique, là... Système... Oui. Mettez la tête à vous regarder, pour vous comprendre. Merci. Oui, alors, le système lymphatique, là, il y a plusieurs rôles. Le premier rôle, c'est aider éliminer les déchets qui sont dans les cellules, différents tissus, aider le corps à éliminer. Donc, pour éliminer l'excès de l'eau, le système lymphatique, là, aider les nous manger pour aider les nutriments à circuler pour aller dans les tissus, côté corps a besoin. Le système lymphatique a un rôle tout pour contribuer dans la défense immunitaire, surtout la défense immunitaire spécifique, dans le produit anticorps et dans faire maturation pour globules blancs, des choses comme ça. Donc, le vers adulte arrive, il est bloqué dans le vaisseau lymphatique, vous comprenez que il est bloqué, il réduit la circulation, ça, qui fait que la quantité de l'eau, c'est ça qui fait la prédilection pour moi, mais fait le pour de l'eau, pour alors liquide, généralement, que nous les lymphes, qui dans le système lymphatique là, remonte avec déchets, avec effet d'oubli, et que les bloqués, qu'on y a ou gain des stases ou gain éléments ça qui pas qu'à évacuer, qui étaient à accumuler. Okay. Naturellement, quoi adapter au fur et à mesure, mais où est tissu, il vient commencer à gagner plus liquide. Donc premier bagage, il commence à prendre espace tissu, zone ça gonfler avec de l'eau, et puis au fur et à mesure, il y a d'autres réactions qui fait dans tissu ça qui permettent des adaptations et puis vous avez des centres carrés des fibroses qui viennent faire que vous venez ouais zone ça c'est pas de simple
côté qui gagne de l'eau dans tissu côté qu'on pesé j'ai dit edème là ou ka gon tissu qui gagne de l'eau qui accumulé là-dedans et en général sous font petit pression sous lit ou après le font petit temps avant de reprendre place etc. c'est pas type de edème comme ça là ça vous gagne ça relé edème dur côté c'est tissu au même qui a des couches qui sédimenté si vous comprenez bien. Maintenant traitement d'après vous qui prise en charge là, oui. La dimension psychologique de la prise en charge, docteur Montréville, mais docteur Telfoba, on paquet de bête là, pour me tendre, pour me comprendre. Maintenant, on allait dans la prise en charge et dans le traitement. Supermètre Robinson, avant que nous allions dans le traitement, nous avons pris le soin de préciser. Au commencement, nous avons passé rapidement sur lui. Docteur Telfoba a parlé de ça, les groupes maladies tropicales négligées. Parce que son initiative mondiale qui gagne et leadership la sortie depuis dans l'OMS, pour éliminer maladie ça c'est pas seulement filariose qui gagne gagne onchocercose gagne leishmaniose gagne virus et du Nil gagne parasitose de tout qui intéresse ti moun l'école et rage donc gagne un ensemble de maladies gagne la de filariose cause et invalidité li cause œdème et gros pied maclouclou mais on gagne tout onchocercose qui ba cécité qui oui que nous heureusement que nous pas gagne vraiment en Haïti mais dans pays d'Asie qui gagne en Inde gagne pile moun aveugle à cause de ça et ici nous même qui l'autre partie qui entre dans programme dans tout c'est programme de déparasitage scolaire en milieu scolaire parce que me songe longtemps sur moi songe que tout temps on a plein de petits monde gain vert peut-être que qu'on pas tellement entendre problématique ça tout parce que l'autre volet dans programme que nous travaillons avec ministère éducation nationale c'est le déparasitage en milieu scolaire enfant d'âge scolaire côté que nous bail médicaments tout okay. Alors qu'on a nous capable rentrer dans traitement qui j'ai refait traitement c'est-à-dire que à partir de année 2000 côté initiative la sorti que ici en Haïti elle dit que nous t'ai adapté traitement chaque pays gon gens adapté traitement alors c'est même traitement son traitement universel mais dépendamment de zone là ou gon gens ou logistique pour adapter traitement donc et on faut parler tout d'abord de logistique qui gens nous fait ça c'est que en l'an 2000 et te gagné ministère santé publique te fait un ça relé un état des lieux côté que nous t'allé te tester population pour Jean docteur Telfo te dit tout à l'heure qui côté prévalence pas nous hanté et dans tout département et gain de côté nous t'est arrivé jusqu'à 40% dans deux zones de prévalence donc te tester tout pays dans quelle zone on allait pour aider moins 2000 non dans quelle zone c'était tout pays tout département confondu si tu permets et qui côté de prévalence en plus élevé dans qui couche alors, dans la population, situation économique, etc. Alors, en 2000, le ministère a fait évaluation. Ça, sur 133 communes qui ont gagné ça, 117 ont été endémiques parce que tu as une prévalence qui est supérieure. C'est endémique, l'on veut dire, mettons mais c'est ça, l'a dit. Donc, dès qu'on regarde la prévalence, non, pour maladie, ça, depuis prévalence, non, communauté déterminée, les supérieurs à 1% peut déclarer l'endémique. Endémique, ça veut dire que la maladie a là, ou qu'à prendre, ou qu'à transmettre. Okay. Et si on vit dans une zone, ça, yo, ou une population qui dit une population exposée. Donc, ou exposée, quel que soit statut économique, ou quel que soit des poids, vivre dans une zone ça, ou son monde exposé. Qui expose. Ou tu as parlé de logistique, là, docteur, rapproche-toi. Oui, oui, donc rapidement, là, nous faisons état des lieux, ça, yo, nous venons, et après recommandation OMS, et c'est distribution massive de médicaments. C'est-à-dire que c'est aller tout côté. Tout côté que nous testé, tout côté qui gagne rayon, qui gagne foyer infestant, côté que moun ka plus contaminé, c'est bay médicaments. Qui médicament? C'est deux médicaments, et c'est diéthylcarbamazine et puis albendazole. Donc ça veut dire que et probablement ou qu'on nous garder et à certaines périodes de l'époque de l'année où ouais gros banderole dans toute la rue et en pile moun avec casquette maillot MSPP sur yo sachet d'eau sachet médicaments porte-voix dans main yo y a parlé alors qui ça vient arriver pour capable faire distribution massive de médicaments ministère santé publique pas gain assez ressources humaines pour ta cap fait travail ça donc qui gens nous fait ça veut dire que normalement à travers direction départementale nous font mobilisation nous fait appel à communauté parce que il faut une participation communautaire je dis à la si m'vinn la m'doumba ba médicament m'vinn bon médicament est-ce qu'on prend comme ça non
Donc, ou bien oui tout parce que monsieur était campagne là monsieur bon vous faire le bon nouvelles hein on est juste pour maladie de m'a bon non pas pour comme ça mais dans campagne là m'étais au courant j'étais sensibilisé justement donc ça veut dire que nous obligés à part de plan de communication nous obligés utiliser des bénévoles des monde au sein de population des leaders des monde que population lui-même lui fait confiance lui référer ensemble avec eux qui fait que nous venons d'abord des leaders communautaires leaders ça eux même qui ça eux fait ils utilisent des promoteurs promoteurs eux même ça dit que c'est des monde qui là cap faire promotion cap identifier cap parler avec mounio etc bah ça eux pour mobiliser mounio pour expliquer mounio mais qui ça maladie aïe et que nous prenons une campagne nous prenons des médicaments pour inciter mounio à prendre médicaments pour connaître pour cap comprendre bien fondé initiative là et puis qu'on y a là ou gagner ça nous relève des distributeurs c'est monde ça ouais dans la rue c'est capable des étudiants c'est capable des journalistes c'est capable des professeurs d'école c'est capable des infirmières des auxiliaires ça veut dire que c'est une initiative que population lui-même lui participer activement la dernière et yo fait lui son période de 5 années consécutives après 5 ans nous supposé aller pour retester population encore pour nous garder côté prévalence. Et Jean docteur Telfort dit tout à l'heure, au début nous étions à 117 communes. Jodia, en 2018, dernière estimation que vous faites, nous avons actuellement 22 communes qui étaient. Mais 22 communes, ça a eu des communes rebelles. Rebelles pour qui ça? Parce que c'est des communes côté vous fait plusieurs tours déjà de bail médicaments. Et jusqu'à présent, le noir allait nous faire test, nous voyons que la prévalence est toujours élevée dans la commune. Donc, et genre de émission, ça, côté que nous jouons une plateforme, ça invite nous. C'est bon quand même pour nous parler à la population, pour nous expliquer que si nous sommes soutenus 117 en l'an 2000, je dis à en 2021, nous étions seulement 22 communes. Donc, nous étions un petit effort tout petit, mais c'est un effort qui est plus difficile là. C'est ça, petit, parce que nous avons pris médicaments longtemps, nous fatigués, mais il faut connaître que nous presque pour des résultats. Donc, nous avons encouragé côté Crété, pour faire même genre avec communes qui passaient déjà, pour yo, toujours encourager les gens qui viennent des médicaments pour qu'ils apprennent. Malheureusement, deux dernières années, ça, yo, la trouble politique, ensemble avec la pandémie, a empêché que l'activité été faite surtout dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Est-ce que nous pas craindre parce que les gens qui sont dans 22 communes qui ont droit à un filet à Nassani, ils sont vecteurs. L'idée par là, c'est dans notre communauté, là, le Port-au-Prince, ou bien dans notre zone urbaine, les cas continuent à transmettre maladie et filet à la simile. Oui. Donc, oui. C'est très sérieux que tout le monde est impliqué pour nous arriver dans la phase d'éradication que nous souhaitons. Absolument. Alors, okay. Pour retourner un petit peu dans la question des Italiens, dans 117 communes, nous avons parlé. Et le SA ministère a dit qu'il y a 20 communes qui ont été déclarées comme en rouge parce que y a une prévalence qui sortit dans 10 qui va jusqu'à 45%. Alors que depuis 1%, ou y a endémique. Qui commune? Prioritairement, c'était dans la commune dans le nord. Okay. Nous avons beaucoup de ça? Bon, c'est par rapport à la quantité de temps que la maladie a servi là et puis la quantité de monde qui est contaminé. Bon, naturellement, quand nous avons gardé tout, comme ça pour un vecteur, parce que la moustique là, il y a une transformation qui a fait. Donc, élément ça. Il va dépendre de côté de concentration non temps déterminé, côté de plus gros concentration vecteur, de plus possibilité de transmission. Si j'imagine que je diminue la concentration moustique, je diminue moins moustique, diminue. Donc il y a des dynamiques comme ça qui expliquent la transmission plus active. Si vous là. C'est même pas qui arrive dans 22 communes. Dans 22 communes, on a par exemple une dizaine dans le nord, une dizaine dans l'ouest, ensuite il y a deux communes, pas deux paires pour le nord-ouest, et puis Gonaïve ou la Tibonite. Donc, et. Ça qui fait les plus difficiles, Jean Docteur Montpréville t'a dit là, OMS dit que si effectivement nous faisons application stratégie Bamoun dans une dose chaque année pendant 5 ans, et c'est ça qui fait que j'ai eu une première bagarre de collaboration, ce n'est pas ou prendre une fois pendant 5 ans, mais ou prendre chaque année pendant 5 ans. Ça aide à ce que, après 5 ans, théoriquement, si elle garde après prévalence dans la communauté, ça suppose moins que 1%, ouais, et à ce moment, ils ont décidé. Figui me change, ils sont mauvais. Oui. Mauvais. Voilà. Sujet, parce que je prends une fois, bah c'est prendre une fois des bons nets. C'est ça, c'est compréhension, ça, pour nous gagner. Et il fait que, à partir du moment que vous testez, vous avez prévalence en effet à 1%. Donc, transmission n'est pas active forcément dans la zone, ça, ou vous avez des cas isolés, mais transmission n'est pas active, n'a pas de monde qui a un microfilet, automatiquement, vous suspendez l'action de masse. Mais, dans 22 communes n'a pas les c'est pas 5 passés. Il y a des communes à 12 à 14
round, ça veut dire qu'il y a 14 ans à chaque année on va bailler médicament et puis où vient en pile monde continuer. Maintenant, dans le médicament là, est-ce que nous sommes dans le cadre d'un traitement ou bien d'une prophylaxie? Alors, il faut nous dire deux barèmes. Je vais retourner sur ça, docteur Montbréville t'a dit tout à l'heure. Effectivement, il y a une démarche de prise en charge. Nous-mêmes, nous sommes des acteurs en santé publique. Mais il y a un système de soins avec des gens qui sont privés dans le système. Il y a une prise en charge qui a fait effectivement individuelle dans la clinique. Côté si mon avis, nous avons dit tout à l'heure, symptômes qui a fait penser à ça. Si elle fait examen ça ou bien il fait hémogramme qui fait penser à ça ou bien si c'est non sonographie. Interniste la quatrième elle lui-même. Oui certainement oui. Si gon sonographie ou pas le verre en mouvement dans l'image. Là où fait goutte épaisse là en bas microscope là verre donc ou une possibilité de faire diagnostic là ce moment traitement qu'a appliqué tout de suite. Sur infection nous connaissons staphylococcus streptococcus automatiquement dans moment ça et il répond très bien à des médicaments comme pénicilline V, comme amoxicilline ou bien érythromycine si gain et même pour verio même schéma même médicament que utilisé dans campagne yo utilisé avec un schéma différent pour faire prise en charge individuelle yo et puis pour ver adulte là doxycycline appliqué dit tuer ver adulte là c'est des molécules d'a dit oui, absolument qui mais qui ca fait dans le système de soins mais maintenant en termes d'action de santé publique. Comme action de santé publique, c'est prévention, les aller vers traitement tout le monde. Donc nos communautés déterminées, comme nous avons dit, en pile monde gain en pile microfilet dans le sang, il n'y a aucun symptôme. Ou bien symptômes, ils ont passé parmi la foule. Pour, dans l'autre maladie, ils n'ont pas diagnostiqué et à ce moment, ils ont une transmission tout le temps. Donc l'important à ce moment-là pour traiter nos communautés déterminées, au moins. Objectif campagne ça au moins arriver toucher 65% de la population dans zone. Mais gen moun même te prend comprimé a dans cadre programme là sans pas faire un examen laboratoire. Oui. Est-ce que on ka mettre le cadre de traitement ou de prophylaxie? C'est prévu de manifestation maladie. Probablement ou t'es habité dans la pleine de rete en pile mangue ou dans zone qui est exposée. Alors m'a tourner son bagage une question côté posé tout à l'heure. Ou te mande, en fait, et pour qui ça c'est dans le nord qui te gagne prédilection. Et maladie filariose, c'est une maladie très très ancienne. C'est une maladie que l'on a fait recherche et anthropologique que remarqué qui était là depuis l'époque des Égyptiens. Nous même en Haïti, depuis en 1971, nos prédécesseurs dans le ministère de la Santé publique te mené des études qui te montré que te gagne et prévalence filariose en Haïti. Malheureusement que c'est juste en 2000 vraiment vinn gon initiative côté que nous aller nous garder yo garder parce que quand même et moi même depuis petit moun pour quand même connaissim si tal dans médecine te gen en fait l'hôpital Sainte-Croix dans Léogane qui c'est actuellement seul centre côté que yo fait prise en charge morbidité moun qui gagne un problème gros pied makoukou c'est là yo aller en prédilection et depuis petit moun me connaît que Sainte-Croix a faire prise en charge de gens de Kassayo, même pour que j'aime gagner ou état des lieux qui t'est fait pour te dire qui j'aime bagalayer dans la population. Je te pense que c'était là seulement, parce que initialement c'est là, premier étudio, premier cas clinique que j'ai eu, et puis j'ai commencé à faire premier recherche. Avant nous aller dans volet prévention, pour nous regarder qui différents outils, et fumigation, et gîte larvaire, destruction, etc. Et m'envie prendre des hypothèses, K1. Moins porteur de filière là, moins non phase d'acadie transitoire en termes de manifestation de symptômes. Puis on commence un petit genre enflé, testicule commence à enfler, mais beaucoup enflé net. Est-ce que il y a une prise en charge de chirurgie des gens qui vous a ramené même avant manifestation? Donc mon brevet docteur. C'est ça que fait des dit dès que nous commençons à manifester. Bon, la période des asymptomatiques là quand on fait ceci par accident, l'examen de routine pour l'autre bagage ou qu'elle tombe sous lit. Mais lorsque les manifestations, les symptômes nous sont dit là, ça a mis la puce à l'oreille des prestataires là et puis lui-même a fait des tests. Dans le test, il joint. Mais dans n'importe quelle étape dans ça, le traitement appliqué, je ne saurais expliquer là. Dès que là, diéthyl carbamazine associé à albendazole là, il n'y a pas de problème. Il est très efficace, il bloque le processus là. Parce que ça, le faire, il élimine tout microfilet là dans son monde. Et puis avec doxycycline par exemple, appliqué, il tue vers adulte. Alors, bah, ça va ensemble, va provoquer des réactions immunitaires qui peuvent gagner, mais qui participent au processus de freiner le processus là. Sauf que l'arrivée, la phase chronique, 10 à 15 ans après, côté, tout
et mécanique depuis le ou infecté il y a 15 ans qui passé dans pied qui fait au fur et à mesure phénomène n'a développé puis il y a une plein d'émission là ça ouvre une situation d'irréversibilité puis il y a gain de gros ou bien monde gain et hydrocelle là tellement gros que charge là trop gros pour porter il presque même pas capable donc bah la patente bah la vient arriver dans point ça ou ouais bah la privé qu'on ici tout pas comme ça ouais puis pas comme ça courir le docteur pour regarder exactement donc là ça gain des chirurgies au fait vrai mais c'est pas il pas cosmétique parce que son maladie qui tellement stigmatise monde côté monde dans situation côté lui-même li même ou t'a prend soin à demander soin pour pas connait que le gain ou bien que le gain ba là que moun juste à regarder donc ça fait que intervention ça yo le fait que ce soit pour diminuer masse volume masse là ou bien pour retirer li soulager moun là OK donc ça veut dire que c'est pas que cosmétique effectivement li soulager mais li pas résoudre donc prestataire de soins ça si bien comprendre et docteur Troufort docteur Montpréville quelque part il devient aussi psychologue il y a un encadrement psychologique exactement à ça veut dire que c'est un programme normalement côté qui gagne prise en charge yo prise en charge psychosocial et gagne prise en charge médicale donc ça veut dire que moun nan li pralé parce que gagne de niveau que moun nan pas ka opérer mais à cause de et grossièrement blanc moun nan vinn et vinn handicapé li chiton côté ou bien le couchon côté tout côté donc normalement ou gagne pour phénomène infectieux tout parce que le fait que mon nan li limité li pa ka baigner tout le temps etc. et pour avoir une bactérie ça profite qui capable coloniser parce que maon sou kon wè photo ben si t'a gen chance rencontrer moun ki gen éléphant thyroïde gen de côté pour applisser donc ça dit que gen une façon spéciale pour moun ça connaît qui gen pour prendre soin man blanc qui gen pour laver li qui gen pour qui est produit que li capable asepsie nettoyage appliquer sous li pour pas provoquer des infections qui pral bal l'autre problème sous santé. Donc c'est tout son prise en charge globale, son accompagnement global. Donc c'est pour moun nan konnen pi bonheur c'est grand matin. Sou ta remarqué que ou habite nan zone que moustique a pété mode moun tout temps ou bien gen l'autre moun nan zone nan gen tan gen gros pi etc. ou même ou ta remarqué que ou anomalie ou gen un symptôme fièvre vinn expliquer temps en temps ou bien ou pi a gonfler dégonfler, chercher centre de santé, chercher ouais docteur pour capable. Sou pa ka ou ban aller tout mais al ka un docteur faut chaud. Oui, ou met faire tous les deux. Ou pour ka connait est-ce que c'est manger à manger ou bien c'est maïen grand ka piquer ou donc fait tout et pas arrêter seulement ka boko fait tout check-up qui est capable d'exister parce qu'il y a moyen pour prévenir et les fonds d'asile là avec qui nous sommes. Oui, même ça, j'ai des ougans, je connais deux t-shirts, je connais plusieurs ougans. Ougans, beaucoup pas un problème, mais assure-toi qu'un médecin qui a bon et verdict la science là. Voler réponse là et financement réponse là. Là, objectif là, c'est l'élimination d'ici 2024 et nous souligner que le MSPP ne dispose pas et de gros ressources pour engager dans la bataille ça. M'invitez nous sur point ça. La participation de l'État ici à travers le budget national reste modeste. Oui. Alors, qui t'aime dire qui sa réponse là? Il réponse là, il y a trois axes. Premier, alors, c'est directive OMS là qui un petit peu est déstructuré programme élimination dans différents pays qui a trois axes. Premier axe là, c'est le premier bagage là, c'est couper transmission. C'est-à-dire à travers fait traitement de masse médicaments. Le plus de monde possible médicaments pour assurer qu'on retire les microfilaires dans le sang pour couper transmission. Deuxième objectif, ça, c'est fait que les gens qui sont touchés, parce que nous sommes dit que nous avons des gens qui sont en situation côté ou pas de traitement café encore, ou dans une situation d'irréversibilité, ou qui sont soulagés. Donc, deuxième objectif élimination, c'est faire en sorte que quelqu'un soit côté de la personne, il y a des soins qui sont accessibles pour eux, tels que liés. Jean-Docteur Moreville, il n'y a pas oublié que le système lymphatique là, le latin libère ce système de défense moun nan qui expose moun nan plus facilement à toute infection opportuniste. Ça moun sa faut cliquer joindre soin et pas oublier que pendant toute évolution ça moun n'a gain des accès aigu à répétition récurrente de temps en temps cap miner existence li fait le souffrir bal douleur bal et puis ou gain des fois ou gain des plaies qui apparaissent côté et lymphe a couler là-dedans etc etc donc ça veut dire que faut que son monde qui gain accès à soin ça c'est deuxième objectif troisième nan nous te ouais importance vecteur. Donc, il faut une mécanique de lutte antivectorielle pour réduire la concentration moustique dans la communauté, pour réduire la possibilité de transmission. Et là, c'est pas une fumigation. Ce sont les conseils d'hygiène, éviter gîte larvaire, de l'eau, côté de l'eau dormie. Ce sont les mêmes conseils. Lutte antivectorielle, là, alors dans le temps, il consistait en fumigation, essentiellement. Époque longtemps, toujours quand on a parlé de SNEM, qui était qu'on a passé, etc. Une fuite, oui. Une fuite. Mais lutte antivectorielle, là, je dis, hein, c'est pas ça seulement. C'est pas ça du tout que lié. Nous, ça a d'abord
traitement des gîtes. Ça veut dire que gîte là qui s'allie pour me parler dans langage tout le monde comprendre, c'est tout côté qui kakembe de l'eau. Piscine, réservoir, ravine et trou dans la rue. Bout de caoutchouc. Et bout de caoutchouc. Oui, donc tout juste bout mamie fleur pour fleur. Donc tout ça qui tout côté qui kakembe de l'eau flag c'est ça relé un gîte en ville. Potentiel. Donc qui ça yo fait en général, qui ça nous fait dans santé publique en général, là que d'un côté dans zone qui gagne gîte cap bay problème, premier bagage nous fait un prélèvement, nous prend un peu dans de l'eau pour analyser pour nous qui type maïngouin cap coloniser. Ensuite nous fait ça le traitement des gîtes avec des produits bien spécifiques. Nous obligé faire analyse parce que il y a différents produits dépendamment de type maïngouin, gagne différents produits pour agir sous lui. Ensuite on y a là c'est curage. Là c'est pas seulement ministère santé publique. Donc ministère santé publique pote tout chaillot mais c'est pas lui-même ouais. Seulement. Non, c'est holistique, ça veut dire que c'est multisectorialité, ouais. Ouais. C'est collectivité, ministère intérieur, ministère travaux publics et il pas toujours facile en Haïti pour arriver mettre tout acteur ensemble. C'est dire que des fois nous-mêmes n'a travaillé, n'a marché dans tout pays a pour nous faire et répertoriage des gîtes pour nous connaître tout côté gien gîte dans tout département etc. dans toute route après cyclone intempérie donc c'est gros problème parce qu'on grand pile côté ou après masse gîte mais forcément nous mêmes nous pas gien tout moyen dans mais nous pour nous faire travail ça et à côté de tout ça docteur mon prévide dire il gagne une responsabilité individuelle là-dedans ouais, c'est ouais. Mettre corps veille quoi ça veut dire que tout ce qu'on a fait pour empêcher de piquer, ça veut dire que couvrir dans la période à soir, côté où il était torse nu, débraillé, et dormir en bas moustiquaire, par exemple, ça fait ministère a fait campagne, de temps en temps campagne de distribution moustiquaire, nous avons fait des campagnes de pulvérisation intradomiciliaire, par exemple, dans le Camounio, appliquer des insecticides sous le mur, et puis depuis, nous avons emporté pour les mourir. Mais inviter Mounio, pas qu'un bel flag de tout ça qu'a gagné des fois dans la communauté à un flag de comme ça nous nous mettons ensemble yo gratter font petit canal les couler pour gloire pas arrêter à produire la quand même en tête de technique de feuille eucalyptus tout temps marre pendant côté dans caille là les qui caté maringouin ouais parce que bon particularité m'ta pas noter pour filariose là c'est que il dit dans littérature là que c'est un groupe une qualité maringouin c'est culexio qui fait transmission, c'est-à-dire que l'extra lui-même, c'est dans un flaque d'eau sale, pollué, bah, comme ça. Mais l'expérience a montré que l'autre, yo tout, yo baili, a nous fait la baili, a aides, yo baili, et chaque côté, n'a fait analyse spécimen, yo, nous jouons tous les trois qualités, ça, yo. Donc ça veut dire que nous avons un ensemble de vecteurs qui peuvent transmettre. Donc pendant que nous avons contre malaria, nous avons tout contre filariose. Oui, okay. Mais heureusement, que maladie et tropicale négligée, généralement, vous ne pouvez pas venir pour col. Même individu a toujours associé une des trois ensemble. Docteur, et mon prévite a expliqué tout à l'heure, la prévalence et vers intestinal, si elle a dans la population, associée à filario, une associée à l'autre, qui fait que l'on fait une action contre une, par exemple, quand vous diminuez la concentration vecteur qui transmet et filariose, ou diminuez la concentration vecteur qui transmet dengue, et chikungunya, zika, malaria, etc. Donc ça vous font plonger. C'est l'avantage du baou. C'est ça qui fait que nous disons que si communauté, si nous sommes responsables, vous comprenez, chaque fois qu'on fait une action bloquée, vecteur pour une maladie comme ça, ou tout agit sur une quantité de l'autre. Un bel dégui là. Absolument, un bel dégui, un bel avantage à agir de manière holistique et à ce que plusieurs acteurs, et ça fait l'étape insistée tout à l'heure pour montrer où l'autre secteur, notamment travaux publics et des fois et ministère agriculture, sous des travaux au niveau de communauté pour réduire gîte qui parle. Qui apporte des partenaires en tant que USAID, CDC, Carter Center, Université Notre-Dame, Banou, dans le cadre d'Action Nouveau? Au fait, le programme financé en grande partie par partenaires. C'est-à-dire que c'est une initiative mondiale. OMS t'a lancé un cri d'alarme, un cri d'appel. Qu'on y a là où viennent gagner les grands donneurs qui répondent. C'est-à-dire que USAID, CDC, en premier, qui, à travers des institutions tant que Carter Center, tant que IMA World, University of Notre-Dame, mettaient ensemble, ils dit OK, ils vont aller dans une série de pays qui gagnent une forte population et population endémique ça yo, pour être capables d'aider nous, parce qu'ils connaissent déjà que nous avons un pile problème de santé déjà. Donc c'est là que vraiment nous jouons le fond pour nous capables mener une grande campagne ça yo, et puis gagner ça et initiative pour médicaments et tout
qui est une compagnie qui est de Mectizan programme. C'est eux-mêmes qui baillent médicaments à travers le monde, parce que ce sont des millions de doses. Depuis le programme a commencé, Dr. Poutel Fossimi, moi, bon, qu'on nous distribue 35 millions de doses de médicaments déjà en Haïti. Okay. Donc, c'est un pile médicaments, même si nous tapons à un goût, ouais, comme ça beaucoup, fait déjà. Et donc, c'est nous bénéficier de ça gratuitement. Donc, si que nous capables de joindre l'État haïtien pour la population haïtienne, joindre aide ça, donc il faut vraiment que Mounio prend partie prenante de l'initiative là, parce que c'est un bagage nous qu'à éliminer. C'est pas comme si vous faites un sucre ou faites pour la vie, c'est un bagage que nous pas capable de passer au-delà de dire qu'il y a l'autre pays qui a réussi à faire. Alors, faut me dire que Haïti fait partie de pays qui fait un pile progrès, mais nous restons fort pour faire tout ça. Il y a faire une occasion, allez-y, vous avez parlé de ton bagage. Vous avez mis un petit bémol pour dire que. Effectivement, le docteur Mopreville dit que le programme est financé en grande partie par. Mais moi, je me c'est que ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. On nous comptabilise pour nous. Il y a un programme, quel que soit le programme, il repose sur un système qui est établi avec le monde, avec infrastructure, avec formation, etc. Tout ça, l'État met en place déjà. Donc, contribution humaine, ça, il faut prendre. Il faut communauté autour. Même dans la campagne de distribution de masques, avec communauté. Communauté nous fait. Donc, justement. Non, ouais, mon sérieux, ça fait me dire c'est des volontaires. Justement, c'est des volontaires, mais quand même, volontaires, on doit vouer là. On ne peut pas vouer n'importe qui. Il faut que les gens aient un petit badge, un maillot, comme si tout le monde ait même, comme si tout le monde ait une représentation. Où t'es dit, moi, la logistique. Maintenant, ma dernière question, justement, c'était pour vous inviter à poser le projecteur sur ces bras-là, sur ces petites mains-là. Sous deux mesdames, ça a été une bonne dose là, dans le centre Bonne Nouvelle Liste. Tellement d'informations, ils parlent avec moi, ils disent oui, par rapport à l'autorité, écoute dans ma voix, oui, ou cas concerné. C'est beaucoup de mains, beaucoup de petites mains, beaucoup d'engagement des communautés. Dans l'occasion, journée internationale filarieuse là, est-ce que c'est aussi l'occasion de célébrer cette solidarité, main contre ça et partenariat ça, dans le contre filarieuse et fatigue là, docteur Mopreville, avant de conclure avec le docteur et trop fort. Effectivement, bon, c'est l'occasion quand même de féliciter la population. C'est-à-dire que pour dire quand même, mais qui travaille nous fait, je dis tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes aussi dans un côté qui a 45% de prévalence, vous comprenez, nous sommes aussi dans 117 communes, je dis en 22. Donc, le ministère de la Santé publique remercie quand même la population, remercie quand même tout responsable de programme au niveau du département, tout infirmière, tout auxiliaire, tout promoteur, tout leader. Tout vraiment système nan, nous remercions quand même parce que année ça malheureusement à cause de pandémie hein, nous pas capable de faire un gros rassemblement pour nous faire vraiment une célébration même jeune qu'on fait li et pour VIH, pour malaria, pour tuberculose, parce que chaque année différentes pathologies ça gagne une journée qui commémorer à travers le monde et initiative ça tout dit commémorer à travers le monde, mais malheureusement c'est des conférences virtuelles et nous comme étant donné en Haïti, plus c'est radio, c'est télévision, moun yo koute, c'est canal de communication qui plus marche yo, avec réseau yo tout. Et donc, nous utilisons la plateforme ça yo vraiment pour nous faire passer message ça yo, pour dire, moun yo, tant pris s'il vous plaît, restez mobilisés, 22 communes yo, restez mobilisés pour nous capables vraiment. Et certifié par OMS pour dire que bon, Haïti, nous finissons avec question. Merci. Alors, effectivement, c'est l'opportunité de reconnaître les différentes contributions. Et un acteur peut-être que nous pas cité assez, le ministère de l'Éducation nationale, parce que distribution en pile, tout ça, fait dans l'école, avec collaboration inspectorat, avec collaboration ministère, dans tout niveau. Mais c'est l'occasion de dire tout, nous pas qu'à créer victoire trop vite, non. Je ne parle pas de 22 communes, mais nous avons 22 communes rebelles. Ça fait, je dit 5 fois, la coupe de transmission, nous avons 13, 12, 14 fois, il n'y a pas de remettre. Donc ça fait un ensemble de dispositions du ministère. En 2019, l'unité de coordination maladie infectieuse du CMIT, qui regroupait 3 programmes, VIH et TB avec maladie filariose, nous avons entrepris d'actualiser, de mettre à jour tout plan stratégique. C'est ça que fait. Objectif mondial là pour élimination de 2020,
à toute pays au parquet éliminé en 2020. Nous-mêmes, nous recalibrons nous pour 2024, pensant qu'en 2024, nous avons en finale 12 communes. Mais c'est une commune rebelle. Donc, par exemple, une bagarre que nous voulons faire là, c'est fait que nous regardons qui stratégie nous devons mener dans la distribution. Nous devons faire distribution à travers des postes. Nous avons des études qui mènent là pour savoir qui est plus efficace. Est-ce que nous continuons à faire distribution dans la poste ou bien est-ce que nous allons associer la porte à porte? Porte à porte, nous allons plus comme. Est-ce que nous gagnons comme ça? Qui est plus bon pour nous faire? Si, nous l'autre approche en camp, en population. Nous puissions avoir des informations, les campagnes, les gens. Qui gens pour nous faire plein de communication pour permettre que nous comprennent mieux la maladie et qui ça peut faire au quotidien? Qui gens pour nous faire soins soins plus accessibles? Malheureusement, nous avons des informations qui valent nous mal. Je dis à là, il y a un site de prise en charge de qualité au niveau pays, a un seul qui gagne, c'est Sainte-Croix-Léogan. Dans le plan ça, le ministère a décidé avec le programme non, que, et comme et pour le plan fini en 2019, nous avons dit en 2020, nous avons mis 4 autres sites dans le pays. A. En 2021, nous avons fait en sorte que chaque département ait un site de prise en charge. Mais qui pas forcément, parce que nous avons regardé, nous avons que je dis à résidu de bastion de transmission, il n'est pas forcément dans tout le département. Mais l'idée, c'était que les gens qui ont été touchés, qui ont gagné et affection, ils ont gagné pour la vie. Donc, il faut qu'il y ait possibilité pour prendre soin. Donc, il faut qu'il y ait des sites de soins dans chaque département. Et puis, en plus, par la longue, pour que des soins d'accompagnement, qui sont des gestes simples d'accompagnement, ils passent dans le système, ils passent dans le soin primaire, quel que soit côté mon arrivé, au niveau de soins qu'il prend, s'il a besoin de chirurgie, il arrive dans l'hôpital départemental là, et s'il a besoin de référence nationale, peut-être le sale qui arrive jusqu'à Sainte-Croix. Donc, il y a un pile travail qui m'a demandé pour nous faire toujours. Et pour nous garder le même traitement que nous utilisons, le ministère, le ministre des publics a accepté le principe, le ministère a engagé le nom. Ça a fait maintenant basculer là-dedans. Je veux dire, rajoute un troisième médicament de bithérapie avec deux médicaments. Ils ont passé dans trois médicaments. Ils ont introduit une autre molécule qui c'est ivermectine. Ivermectine n'a pas avantage. Au lieu pourtant de 5 ans, on va utiliser pour t'as gagné un coupé chaîne de transmission. Hein? Mon cher, dans certain nombre de mois, t'as qu'à dire dans l'espace d'un an, ou t'as gagné un coupé chaîne. L'homme était ivermectine. Et il prouvait que il n'y a pas plus de problèmes que si vous ou t'as fait deux médicaments. Donc, le ministère a pris engagement ça. Bon, nous ratons l'occasion là, parce que nous sommes fait une distribution à Grécier et Léogan en décembre. Nous avons fait programmation pour nous commencer pilote avec ivermectine. Mais malheureusement, pour nous autres, nous dépendons de partenariat. Et la commande qui était faite là, il prend temps pour ivermectine. Malgré nous déplacer à plusieurs reprises, moment, bon, finalement, nous sommes obligés de faire quand même, parce que la population était mobilisée, etc. Nous faisons sans ivermectine. Mais actuellement, ivermectine dans le pays, probablement en cours de l'année 2021, nous allons démarrer avec pour l'autre molécule. Ça prend le bon avantage. Là, nous avons tout côté de nous penser, nous partager assez. Nous avons renforcé trois volets, nous avons dit là. Non seulement attaquer un niveau et traitement de masse, non seulement renforcer le nombre de sites de soins, mais également renforcer l'action communication et renforcer l'identivectoriel pour permettre véritablement nous arriver en 2024. Couper transmission en Haïti sous 22 communes qui étaient. Ah, docteur Mombreville, docteur Trofort, merci en pile. Je m'apprends un paquet de bagailles. Moun qui a gardé, a attendu, là, apprend un paquet de bagailles. Maintenant, ma vie finit avec vous, docteur Mombreville. Et au moun qui a fait des modèles, au moun qui a des manifestations et filarios, ça t'a qu'à dire. Mon cher Sam, t'a qu'à dire au moun que ma vie a modé tout le temps, s'il sent, s'il y a des symptômes. Premier bagage, c'est chercher un docteur, chercher un agent de santé dans la zone, parler ensemble avec lui, demander l'information, qui côté le carré, s'il ne connaît pas, et aller dans le centre, sous le ministre Bolakayou, demander au docteur Bolakayou, il est capable d'aider, orienter, pour connaître qui vient pour aller, pour chercher la soin, pour connaître effectivement, est-ce que ça filariose, qu'on pas gagné filariose. Deuxième bagage que je suis capable de dire, vraiment, c'est mettre quoi qui veille quoi. Ça veut dire que depuis que nous connaissons dans la zone, la pluie a tombé, gen côté gen de cap soutirer maingouin c'est goumen contre moustique aider ministère santé publique de soutirer moustique. Nous sommes pays tropical a toujours des moustiques, même aux États-Unis des moustiques, mais ça veut dire que dès pour qu'on est en période là, en période saison pluvieuse qui pral gen moustique, dégagez nous, faire combite, mettez nous ensemble déchouquer maingouin. Voilà, c'est ce message ça nous était docteur Trofort, docteur Mombreville, merci en pile tout personnel de santé, tout le monde qui est engagé, qui n'est pas nécessairement un professionnel de la santé qui est engagé dans la campagne, ça, merci.
Et merci pour bataille, merci parce que nous t'aider avec là qui bon mon paquet d'informations, mon pile connaissances pour public là pour moi. Nous souhaitons nous l'autre occasion. Kembe là. Merci. Merci. Au plaisir. Kembe là pas la guerre.